on va écouter le speaker. Let's welcome the fighters into the ring. Joining us first in the blue corner, Imre Szello. L'arrivée d'Imre Szello, le Hongrois, adversaire de Ryad Merhy. Et vous le voyez à son palmarès là, 24 victoires, 0 défaite. 24 victoires dont 16 par KO au niveau professionnel. C'est un palmarès qui en jette, évidemment. Et on a entendu son palmarès amateur, donc à dose d'expérience, il l'a. C'est clair qu'il a énormément boxé, il a 36 ans. Il a l'expérience. Oui. Est-ce que ce sera un élément déterminant? Ryad a aussi maintenant de l'expérience. Ryad a de l'expérience, il en a moins, mais il a la jeunesse, il a la fugue, et il a la vitesse. Il a la vitesse, il a l'envie. Je vois les paramètres en faveur de Ryad. Le domicile, la jeunesse et l'envie. On va voir ça, évidemment. On attend l'arrivée d'Imre Szello dans quelques instants, ici, au dôme de Charleroi. Il se fait attendre. C'est un championnat du monde WBA qui se joue ce soir. Catégorie lourd léger. Ryad Merhy a déjà eu une opportunité, c'était en mars 2018, il ne l'avait pas saisi à l'extérieur, à Marseille, face à Arsen Goulamirian, le bulldozer Goulamirian. Cette fois, Ryad a une autre chance, il veut la saisir. J'étais dans l'espoir la fois dernière, mais cette fois-ci, je ne suis plus dans l'espoir, mais je suis dans la confiance. On va voir ça. On espère évidemment que vous voyez juste Hermano. C'est tout ce qu'on peut espérer, bien sûr, pour Ryad Merhy et pour la boxe belge. Et Imre Szello, au niveau de ses combats professionnels, bien, il n'a pas souvent boxé à l'étranger. Hein. Il n'a boxé qu'en Hongrie. Ça, c'est aussi un paramètre important. Et comment il va se sentir ici? Comment il s'est senti cette nuit? Seul contre tous. Oui, évidemment. Mais comment lui, il le vit? Il y en a pour qui c'est totalement frustrant et ça les détruit dans leur capacité. Il y en a d'autres qui s'en foutent complètement et qui viennent avec une rage supplémentaire. Donc, il faut voir comment lui... il va prendre ce paramètre en... Mais il a déjà vu la salle, hein, puisque souvenez-vous, lors du dernier combat, il avait assisté au dernier combat de Ryad Merhy ici au Spiroudome. Il était même monté sur le ring pour un face-to-face. Donc bon, bah, il a pu mesurer l'ambiance, oui. Mais certainement que l'ambiance sera encore un peu plus forte ce soir. S'il est dans sa zone, il devrait normalement rien entendre. Par contre, il se fait désirer. Ah ça c'est vrai qu'il se fait désirer. On se demande pourquoi. Est-ce qu'il y a, quand ça arrive comme ça au dernier moment, qu'on met un petit peu de temps à arriver, c'est quoi? C'est peut-être un petit truc à régler, encore une dernière chose. Difficile de savoir. Difficile de savoir. Vous avez déjà été dans le cas ou pas? Oh, oui, il y a plein d'expériences, hein, le dernier petit pipi. Par exemple. Par exemple, mais bon, on a les gants, on a la coquille, donc il faut se faire aider. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça, c'est des petits détails. Des petits détails de vestiaire. Petits détails croustillants de vestiaire, Hermano, que vous avez bien connu, notamment sur la route de votre titre de champion d'Europe. Il y a de cela quelques années. Ce n'était il n'y a pas si longtemps, c'est vrai. Vous étiez encore sur les rings. Quand même, j'ai arrêté en 2015, ça fait déjà 4 ans. Il n'y a pas si longtemps, non, Hermano, 4 ans. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est dans une vie? Mais je sais que ça ne vous manque pas. Vous êtes bien là où l'adrénaline, là, quand même. L'adrénaline juste avant le combat, ça, c'est quelque chose de terrible. Non, mais je crois que l'ambiance, pour le moment, me donne envie. Mais quand, ah, carrément. Oui, oui, mais quand je réfléchis à mes priorités, voilà. Je raisonne. Mais le moment juste avant le combat, avant d'arriver, c'est un moment intense pour le boxeur. Oui, c'est un moment intense. C'est un moment intense. D'ailleurs, c'est beaucoup plus intense que le combat en lui-même. D'accord. Comment on appréhende. Et pourquoi? Parce qu'il y a plein de sentiments qui sont. Qui s'entremêlent, c'est ça? C'est tous les moments de réflexion avant le combat. Donc, si on est dans une dynamique de oui, comment je me sens pas très bien, j'ai mal au ventre, ou cette ambiance ne me convient pas, on est dans une dynamique négative et c'est pas très positif. Mais le voilà. Allez, le voici. Et si je reconnais, c'est Asilici. Highway to Hell. Excusez-moi, c'est Thunderstock, c'est pas Highway to Hell. C'est arrivé là avec les escaliers. D'habitude c'était dans le coin en bas. Là c'est les escaliers en dessous de l'écran. Ah, ça donne pas mal. Hein. C'est niveau mondial. C'est là. Et on rappelle aussi, on vous annonce aussi que cette soirée, ce combat est diffusé aux États-Unis, en Hongrie, en Bulgarie, en Angleterre, en Belgique bien sûr. Donc c'est le monde a les yeux rivés sur Ryad Merhy et sur Imre Szello. Imre Szello, 36 ans, 24 victoires, dont 16 par KO. 0 défaite. Impression sur son arrivée, sur son visage, son attitude. Il prend le ring et... Ah bien, bah, on voit que c'est un mec d'expérience. Déterminé. On va voir maintenant Ryad, c'est ça qui l'intéresse. C'est aller chercher cette ceinture mondiale. Il faut absolument qu'elle revienne ici à la maison. Il n'y a rien à faire, tu vois, les premiers combats pro qu'il a fait dans mes galas, les gens de la salle, c'est qui ce mec-là, quoi. Il a une aura, il a un style de boxe qui plaît. Le championnat du monde, ça a été quelque chose d'un peu particulier, ça devait être la fête d'une équipe. On y croyait tellement, j'y croyais tellement aussi, donc voilà. Là j'ai jamais senti cette sensation comme ça, j'ai l'impression qu'on avait touché à mon petit frère, j'avais qu'il était blessé, qu'il avait pris des mauvais coups, enfin j'espère qu'il n'était pas trop touché mentalement, on avait jamais perdu avant. Il s'est fait une raison, et puis à partir de là, bon, on va commencer à bosser directement, et voilà quoi, la locomotive elle repart. C'est quelqu'un de tous les jours, c'est quelqu'un tout à fait normal, qui a dû travailler beaucoup pour arriver là où il est. C'est quelqu'un qui a plein de blessures, comme tout le monde, qui a appris à les cicatriser et qui dit, ben voilà, si je veux réussir, ben maintenant il faut que je travaille, et pas que je m'applique sur le fait que ceci ou cela. Et c'est là où sa sensibilité, tu vois, sa vulnérabilité à certains moments, touche les gens parce que tout le monde s'identifie un petit peu en lui. Tout le monde a envie un petit peu que Ryad réussisse, parce que tout le monde a envie qu'il réussisse pour eux un petit peu. C'est un petit peu le fils à tout le monde, c'est le frère, le copain, voilà, c'est quelqu'un dans leur entourage. Et ils ont envie vraiment pour lui qu'il réussisse. C'était pour mettre un petit peu d'électricité dans l'air, de pression pour enflammer le public. Ce petit film comme cela, avec l'arrivée maintenant de Ryad. 26 ans, 28 victoires, dont 23 par KO, une seule défaite, on le sait. We would like to honor the passing of Patrick Day with a 10 bell salute. Et en hommage à Patrick Day, le boxeur Patrick Day qui nous a quittés il y a quelques jours, décédé après un combat. Les quelques coups de sonnette en hommage. In peace. And now, ladies and gentlemen, please all rise for the national anthems of Hungary and Belgium. Et voici maintenant les hymnes nationaux. Et ça, c'est l'hymne national espagnol pour l'arbitre de ce combat. Il est espagnol, le voici. La ceinture, elle est là, la ceinture de champion de la WBA. Et maintenant l'hymne national hongrois pour Imre Szello. Et à présent, la Brabançonne. Le public du Dôme de Charleroi est bouillant ce soir. Il est là, il répond présent, il est très très chaud pour ce championnat de WBA. Le boxeur hongrois est stressé. Pendant toute les éléments de préparation de Ryad Merhy, il a fait les allers-retours au moins une trentaine de fois. Ça a été long pour lui. Ouais, ça a été très très long, mais là il est là parce que pour lui aussi c'est un moment important. Pour les deux évidemment, ils sont sur le ring, les dernières consignes, c'est important aussi ça. C'est ces derniers moments avant la bataille. C'est les derniers détails, hein. On sait toujours que les derniers détails sont pratiquement les plus importants. Of the evening, fight fans, are you ready? Introducing to first the fighter on la traduction par le speaker des deux boxeurs. On les écoute. His official weight 89.5 kilograms. He's the former WBO Intercontinental Champion, holding a perfect record of 24 wins. No defeats, including 16 wins coming by way of knockout. Hailing from Budapest, Hungary, ladies and gentlemen, please welcome Imre Szello, 24 victoires, dont 16 par KO, 0 défaite. Il nous vient de Budapest. He's wearing white and silver. His official weight, 90.2 kilograms. His fine record stands at 28 wins, 23 of those coming by way of knockout, and only one defeat. He's the reigning WBA International Champion fighting out of Brussels, Belgium. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, here is Ryad. Ryad Merhy, 28 victoires, une seule défaite. C'était lors d'un championnat du monde WBA. Cette fois, une deuxième chance pour le Bruxellois, pour le Belge. Tout un pays est derrière lui. Toute la boxe belge est derrière Ryad Merhy. C'est un grand moment pour ce sport, pour cette discipline ici en Belgique. Une chance qu'il doit saisir. Qu'il va saisir. Vous êtes confiant, Hermano? Relativement. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que je le sens bien, je le sens dans son attitude. On va voir ça. En tout cas, il a préparé tout dans les moindres détails avec sa garde rapprochée. Une préparation à Wavre dans les derniers instants. Des entraînements soutenus pour le rendez-vous peut-être de sa vie, de sa carrière. C'est parti pour ce combat entre Ryad Merhy et Imre Szello. Et Ryad Merhy qui a dit vous verrez peut-être une surprise dans ma boxe, dans ma tactique, on va voir. Est-ce qu'il va poser le combat? Est-ce qu'il va se montrer offensif? Pour le moment, les deux veulent garder le centre du ring. Et tous les deux avec le jab. Ouais, ils sont là tous les deux, avec au centre du ring justement, avec leur direct, le direct du gauche pour Ryad Merhy ici comme ici, prendre la distance. C'est un coup très très important le jab, hein, Hermano. Oui, 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 bien sûr, celui qui prépare le tout. Qui peut préparer l'attaque. Et là, vous créez des ouvertures aussi. Alors, comment est-ce que vous jugez ces premières secondes, là, maintenant? On s'observe, on s'observe. On essaie de garder le premier, prendre le milieu du ring, mais pour le moment, les deux gardent le milieu du ring. On n'a pas encore décidé qui allait prendre le combat à son compte. Oui, l'attitude aussi d'Imre Szello, il est là. Il est assez rigide, mais voilà, il joue bien avec ses bras aussi. On voit qu'il est... C'est vrai qu'on sait que Ryad Merhy est un... boxeur lourd léger mais très agile, hein, forcément pour cette catégorie de poids il est très très rapide. Oui, oui. C'est souvent quelque chose qui fait la différence dans ces combats. Oh, beau crochet là, belle tentative. Crochet gauche. Le crochet gauche de Ryad Merhy et puis essayer de travailler. Le jab est un peu poussé. Sur le bas du corps. Et le public est là pour pousser Ryad Merhy, pour soutenir Ryad Merhy. Le bas du corps encore une fois. Un peu bloqué, oui, la droite ne passe pas. Ouais, beau jab encore. Ouais, jab, beau jab au-dessus. Voilà. Au-dessus, en dessous, varier les coups. C'est aussi une des clés, évidemment. Ne pas laisser lire son jeu à l'adversaire. Attention à la tentative. On entend évidemment à côté de nous le coin de Ryad. Ouais, belle tentative du crochet droit au-dessus de la gauche. De qui? Oh, belle encore de Ryad. Voilà. Oui, vous m'excuserez, je vais d'abord commenter les éléments de Ryad. Et puis s'il y a de la, je voulais préciser pour nos téléspectateurs, évidemment, hein, Hermano. Le regard concentré de Ryad Merhy. Et ça reste encore au ouais. Centre du ring. Hein. Ouais. On ne veut pas laisser le centre du ring à l'adversaire. Mais bon, pour le moment, elles ne sont pas réussies, mais les tentatives autres que le direct du gauche, c'est chez Ryad. Ah, bleu au crochet gauche, bien. Le crochet gauche a touché. Le crochet gauche a touché. On a vu le recul d'Imre Szello. Ah, la riposte. On va laisser voler le round. Hein. La fin de cette première reprise. Votre avis, Hermano? Je ne sais pas. C'est assez observation pour le moment. Beaucoup de jabs. Il est assez imposant, Szello, mais il n'est pas très rapide pour moi. Donc Ryad a cet avantage de la vitesse, de l'agilité aussi. Hein. Il se déplace bien, il bouge bien. Il a essayé de lancer son cross du droit au-dessus du crochet gauche à plusieurs reprises. Pas toujours succès. Ben, ça n'a pas encore été, ça n'a pas encore fait mouche, mais. Mais voilà, c'est... Est-ce que c'est conforme pour l'instant à ce que vous imaginiez comme ouais, début de combat? J'ai pas toujours d'anticipation de premier round. Premier round, sur des combats aux 12 rounds, voilà, je veux pas juger sur un premier ouais. Round. C'est une observation généralement. Bien sûr. Surtout bien chez sûr. Deux boxeurs qui se connaissent pas plus que ça. La deuxième reprise à présent. Mais en tant que chauvin, je dirais le premier pour lui quand même. Allez, c'est reparti, avec encore la même attitude des deux côtés. Hein. Prendre le centre du ring. Oh, pas... attention à la droite. Attention à la droite. Oui, la droite de Imre Szello. Oui, la... Par contre, il se lance, là, il se lance. Il se lance, il se lance. Il y a peut-être l'occasion s'il se découvre. Beau un direct, jab de Ryad Merhy. Ouh, attention à la droite, gauche droite. Ah, le dôme de Charleroi est là. En train d'encourager Ryad Merhy, mais dans sa boxe, dans sa concentration, il est dans une bulle probablement aussi. Ah, attention, pas le laisser, pas le laisser. Attention à sa droite. Ouais, beau jab. Ouais, le direct du gauche de Imre Szello pour prendre la distance. Ouh, attention à la droite, elle est large. Elle est large de Imre Szello. Il faut répondre, Ryad. Il faut pas laisser maintenant. Il faut pas le laisser prendre confiance prendre le round, prendre possession du ring, gagner du terrain, essayer de le faire un peu reculer. Attention à la droite. La droite est lourde. Hein. Oui, elle est lourde. Hein. La gauche est plutôt lente. Mais quand il met les gauches-droites, il faut se méfier de la droite. Mais Ryad est bien démarré lentement. Hein. Donc voilà, là, elle a une belle esquive, bien. Ouais, bien, bien. La gauche de Ryad, prendre un peu la distance, bien bloqué. Encore un petit jab. Ah, vous êtes à côté du clan, là. Hein. Attention, l'attention de Imre Szello. Son crochet droit, il ne doit pas passer. Ouh, belle. L'enchaînement. Ouais. L'enchaînement de Ryad. Attention à la droite. Ouais, mais justement, lève ton poing, alors. Les coups portés peuvent être lourds, hein, évidemment, dans cette... Il les met un peu derrière aussi, donc il ne faut pas qu'il prenne les... Ouais. Sur l'oreille. Oh, attention à la droite encore. Il faut qu'il réponde à ça. Hein. Oui, il doit répondre. Hein. Il doit répondre, sinon les juges pourraient donner le ring à l'adversaire. Oh, belle droite. Elle est passée, la droite, elle est passée. Imre Szello s'accroche. Ouais. Imre Szello s'accroche, il a besoin de quelques secondes. Oh, bien un coup au foie. La droite de Ryad Merhy est passée. Et puis un coup au foie à Hermano. Oui, hein. Juste pour sortir du corps à corps. Ben... Je pense que ça a été bloqué là. Ouais. La gauche. Le jab. Ah, je vous sens tendu. Un peu tendu, Hermano. Là, vous vivez le combat à du sang à l'heure à côté de lui là. Un petit peu, oui. Oui, oui. Alors, votre avis sur ce deuxième round? Objectivement, c'est ce qu'on. Je vais essayer de. C'est ce qu'on vous demande. Mais voilà, les droites. Au crochet droit, un peu comme on vient de voir maintenant, elles ont touché quand même. Et si on doit retenir quelque chose, objectivement, ce serait peut-être ça. Mais voilà, ça par contre, ça c'est encore objectif aussi, et c'est une belle droite en contre. Je ne sais pas. Donc ça, vous ne savez pas. Sur cette deuxième reprise, vous ne savez pas qui a pris, difficile à dire, qui a pris l'avantage. J'ai un des juges à côté de moi, mais j'arrive pas à lire sur son petit calepin. Mais bon. Malgré tout, que pensez-vous de l'approche du début de combat de Ryad? C'est encore indécis, c'est encore équilibré, c'est très équilibré, je ne sais pas. Il a besoin de démarrer et il est bien maintenant, il est bien concentré, il est bien dans un bon flow, mais j'ai besoin de voir de l'activité. Allez, c'est parti, hein, ce troisième round, avec encore une fois. Oh, attention à l'enchaînement d'Imre Szello. Il y a de la puissance hein, dans les points de Szello. Ouais, jab. Le jab de Szello a touché. Ouais. Attention à la droite, mais oh, la réplique. La gauche de Ryad Merhy qui a piqué. Voilà, à mon avis, sur ça, et voilà, il a compris que ces droites-là, il sait comment les contrer maintenant. Ah, jab. Le jab, bien. Voilà. C'était à l'arrière de la tête, ça a pris. Mais c'est pas grave, ça a touché. Mais maintenant, il sait, il va lancer son contre quand Svello va faire son gauche-droite. Parce qu'il fait un bon gauche-droite, mais si jamais il arrive à le contre à ce moment-là, parce qu'il est assez lent et il se lance. Ouh, attention à la droite. La droite d'Imre Szello a touché. Le jab, deux directs de Ryad Merhy qui font mouche pour remettre à distance Imre Szello. Oh, l'esquive. Ah, belle la droite. Il faut bien qu'il la compte comme ça. Voilà, des droites explosives comme celle-là. On sent que les coups portés veulent être puissants. Veulent toucher, veulent faire mal. Le jab de Merhy. Chassé. Il est assez basique. Hein. Je ne l'ai pas encore vu travailler au corps, le boxeur hongrois. Oui. Mais il met très bien son gauche-droite ou alors sa droite un peu plus en crochet. Mais pour le moment, je l'ai vu. Ça, il l'a encore fait maintenant, mais il le fait bien. Oui, l'enchaînement gauche-droite. Ouais, gauche-droite ou plus crochet-droit. C'est pas vraiment une droite en direct, mais un peu crochet quand même. Cross. Il faut plus d'activité, place. Ah, le crochet gauche de Ryad Merhy ne passe pas ici. Szello recule à bon escient. On sent qu'il y a une concentration extrême dans le regard de ces deux hommes. Un beau crochet, j'essaye. De ces... Voilà. Oui, oui, oui. Entreprenant, entreprenant, comme Manu. Allez, on reboxe. Ah, il a touché. Attention. La gauche de Ryad Merhy a touché, mais je pense que Szello l'a aussi touché. Moi, j'ai vu beaucoup de surré exploser, je n'ai pas bien vu. Oh, bien, bien, vous crochez gauche. Voilà. Voilà quand il marche, quand il avance un peu. Là, il est entreprenant, hein, on voit. Hein. Et la fin du round. La fin de ce Mais il est bien, il est bien. Alors, votre avis sur ce... Non, d'abord, on va rejoindre Anne Ruet pour une interview. Oui, avec l'autre regard d'un professionnel, Alex Niscription. Alors justement, cette rencontre, on peut parler de combat assez équilibré? Ben, le combat, oui, c'est vrai qu'il est assez équilibré, mais je crois que Ryad va prendre un peu de haut. Vous n'êtes pas surpris par la puissance, notamment cette droite du Hongrois? Non, je ne suis pas surpris parce que bon, il s'est préparé aussi comme Ryad. Mais Ryad, il est jeune, il est ambitieux. Je crois qu'il a envie vraiment de réussir pour nous, pour la Belgique, devenir champion du monde. Et je crois que c'est ce qu'il va en train de faire. Il va remonter en puissance petit à petit, je pense. Justement, qu'est-ce qu'il doit faire pour battre ce Hongrois? Vous étiez plutôt positif pendant vos combats, vous l'êtes toujours visiblement? Je suis, oui, bien sûr. Pour moi, le combat va se finir avant le 6e round. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Ryad va monter en rythme. Il va monter en rythme et ça va se terminer parce que je crois que Szello, il ne va pas suivre le rythme. Allez, on suit le 6e round et le prochain, c'est tout de suite. Allez, voilà maintenant la 4e reprise entre les deux hommes. Bon, ben, Alex Miskirtian qui est plutôt positif pour Ryad Merhy, plutôt optimiste. En tout cas, là, il y a une belle bagarre sur le ring, Hermano. Ouais. Il y a une très très belle bagarre sur le ring entre les deux hommes. Un argument qui est vrai, on voit que maintenant Ryad avance un peu plus. Hein. Il est un peu plus rapide que dans les 2 premiers rounds. Il est un peu plus entreprenant. C'est lui qui marche en avant. Ce qu'on n'avait pas vu la dernière fois, ici on le voit maintenant. Et voilà, belle droite. Elle est passée ici, elle est passée. Elle a touché Imre Szello. Belle esquive de Merhy. Attention. Et là aussi, il a reculé comme il fallait pour éviter cette droite de Szello. Ouais, beau crochet. Et les supporters de Ryad Merhy qui donnent encore de la voix, qui sont là, qui sont galvanisés par le spectacle offert. Il y a une très très belle ambiance ici au Dôme de Charleroi. Attention, crochet. C'est bien, bien géré, bien géré. Et voilà, c'est bien parce qu'il subit pas de pression, il prend son temps. Et il avance. Et il aime ça, lui. Il avance chaque fois. Mais c'est vrai, comme vous dites, en prenant son temps, et c'est vrai que ça fait partie de sa boxe, de la façon de voir les choses de Ryad Merhy. Ce qui n'avait pas été la dernière fois, c'est qu'il était un peu mis trop la gauche. Et ici, il est bien, en dessous puis au-dessus. La gauche, il l'a touché. Et il monte en puissance, comme Alex Miskirtian le disait, il a raison. Il monte tout doucement en puissance. Et la droite ne touche pas vraiment. Szello a reculé dans les cordes. Ouais, vous avez chaque fois des mots qui fusent depuis son camp, depuis son coin. Protège-toi, protège-toi. C'est vrai que, comme on dit aussi, parfois une seconde d'inattention, ça peut faire mal. Mais ouais, bien, là, il est là, la droite. Petit pas arrière. Petit pas arrière et puis la droite derrière. La droite pour contrer, magnifique. Là, il avance, il prend le combat à son compte. Oui, il est entreprenant. Il est plus entreprenant qu'Imre Szello qui est dans une position, on va dire, de défense. Ça, c'est important. Si jamais le combat devait se jouer au point, bien sûr. Oui, c'est lui qui prend le milieu du ring maintenant. C'est lui qui prend l'ascendant. C'est une légère domination. Oui. Il est dans le coin. Il est dans le coin, Imre Szello. Ryad Merhy avance encore. Oui, oui, magnifique. Là, l'enchaînement, visage et puis bas du corps. Ouais, magnifique. Là, le round est pour lui. Là, le round est pour Ryad Merhy. Qu'est-ce que vous avez aimé ici, Hermano? La domination légère d'avancer et de prendre ce petit pas à chaque fois. C'est un petit pas en avant et un petit pas en arrière pour. Donc un petit pas en avant pour Ryad et un petit pas en arrière pour Szello. Et voilà, et ça, comme on voit maintenant, légèrement, il prend son temps, et puis quand il accélère, il y a des coups qui ont un impact, tout en, voilà, tout en dominant. C'est cette domination à distance. Et un petit sourire au passage, vous l'avez vu aussi, peut-être sur le ralenti. Faut oser quand même sourire sur un ring. Hein. Allez. Mais non, ça, en tout cas, Ryad Merhy est bien dans son combat. Il a commencé ce combat comme il le fallait. Oui, ouais, je suis encore plus confiant maintenant avec le round que je viens de voir ici. C'est que il sait gérer son temps et ça, il en a besoin. Quand il peut dominer légèrement comme il le fait maintenant, il sait monter en puissance par la suite. Alors, attention à la réaction du Hongrois Imre Szello, 5e reprise. Ah, il est ouvert aussi, hein, il est ouvert, hein, il n'est pas très rapide, c'est ça qui s'expose aussi. Hein. Ouais, oh, la droite, et puis la gauche. Il est bien, il est pris, voilà. Vas-y, allez, Ryad, il est pris. Il y va, tout le monde s'enflamme ici. Tout le monde s'enflamme, c'est peut-être un moment important, c'est peut-être le moment. Magnifique. Ouais. Ça repart. Attention quand même. Hein. La gauche, le jab. Et puis la droite, la gauche. Magnifique début de round. Magnifique séquence. Encore le crochet. Ouais, crochet, puis la droite. Ouh là là, les yeux. Il est pas bien. Il est pas bien, Imre Szello. Ah, il recule, il subit vraiment ce round, le boxeur hongrois. Voilà, la droite. Et puis la gauche. Il a compris, il est trop lent, il sait reculer, mettre sa droite en puissance. Il sait faire ce retrait. Ouais, la rapidité de Ryad Merhy fait des dégâts ici, pour l'instant, dans ce combat pour la ceinture mondiale WBA. Il est en difficulté. Ah, quel beau round de la part de Ryad Merhy. Ce 5e round. Bas du corps. Et là, le public est chaud. Les supporters répondent présents. Szello dans les cordes. Moins d'une minute. Oh, attention, oh la gauche. Oh la gauche. Oh, il est pris. Et Ryad Merhy accélère. 40 secondes, il ne les prendra pas, il n'y arrivera pas. S'il met pas le bras à terre, il n'est pas grave. Ryad Merhy accélère. Le Imre Szello est dans le coin, il s'accroche pour gagner des secondes précieuses, pour récupérer, pour respirer. Oh, quelle séquence de la part de Ryad Merhy. Quelle intensité dans sa boxe, quelle fulgurance. Prudent, hein, Ryad. Allez Ryad, c'est bien parti. Maintenant, 10 secondes. Voilà, accélère. Gauche. Puissant. La fin de cette 5e reprise, mais largement pour le compte de Ryad Merhy. Là, qu'est-ce que vous avez aimé, apprécié, Mano? Tout, les mouvements, les enchaînements, l'agressivité, la vitesse, voilà, les séries. Ah, c'est beau, hein. Alors, voilà, encore. Est-ce qu'il y a un moment dans le regard d'Imre Szello? Il comprend que là, il est costaud, hein. Il est costaud parce qu'il aurait pu mettre un genou. Ah là, on voit un peu déséquilibré. Là, c'est un coup. Il aurait pu mettre un genou à terre pour récupérer. Il l'a pas fait. Pour le récupérer, il veut pas perdre de points supplémentaires. Et là, voilà, c'était 19. Quoique il y avait une domination quand même avancée. Ouh là là, les crochets. Mais il lève pas les points. Hein. S'il continue comme ça, il va pas faire long feu, le boxeur hongrois. Je suis pas sûr qu'il a déjà été mis en difficulté comme cela. Ouais, probablement pas. On le rappelle, hein, son palmarès, c'est 24 victoires en autant de combats professionnels. C'est reparti. 6e round. On va voir si le pronostic d'Alex Miskirchan se vérifie. Allez, c'est parti. Il va être long ce round pour Imre Szello. Ah, il reprend son temps, Ryad. Il essaie de rechercher l'ouverture et là, il a trouvé le crochet gauche quand Szello met sa droite. Ah, il a tenté une réaction Imre Szello, mais tout de suite il a été cueilli à froid. Oui, mais directement le crochet gauche directement après. Et je crois que c'est ce qu'il va faire maintenant. Hein. Ça a marché. Ah, bien Ryad. Ouais, dans les cordes Imre Szello. Ah, il est félin ce soir, Ryad Merhy. Ah, il est déterminé et il sait mettre son crochet au bon moment. Ah, vraiment, il accepte de prendre la droite, mais il met son crochet quand l'ouverture est là. Son crochet gauche, il va être déterminant ensuite. Il est un peu ouvert. Il est ouvert, Imre Szello. Il est en train de saigner. Vous ne le voyez peut-être pas à l'image, mais en tout cas, voilà, ça commence à couler, à saigner abondamment sur le visage du Hongrois. Il saigne, voilà, vous le voyez peut-être, non pas encore. Attention, Ryad Merhy prend son temps. Ryad Merhy le fixe. Ouais, crochet gauche encore. Et on le voit, il est dominateur. Dans son attitude. Dominateur, déterminé dans son attitude. Ryad Merhy qui pour l'instant sort un match, un combat parfait. Szello est en sérieuse difficulté. Et on lui dit go, 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 d'y aller. C'est peut-être le moment, 35 secondes avant la fin du round. Ouais, pleine face, un direct du gauche. Avec le sang qui se met devant les yeux, c'est pas facile pour eux. Et encore une gauche. Oh, il est sonné. Crochet gauche, magnifique. Il s'est relevé. Il reste 10 secondes. Il reste 5 secondes. On a bien travaillé en tout. Et là, ça va lui faire du bien de pouvoir récupérer. Là, mais... Il ne rentre pas confiant. Hein. Il est coupé. Non. Il faut soigner ça. Il faut qu'il récupère. Et il souffle. Allez, on va rejoindre Anne Ruet. Anne Ruet, vous êtes avec, je crois, voir une légende du football belge. Et oui, ancien diable rouge, un diable est sur le ring pour votre premier combat. Votre impression, Enzo Scifo? Une très bonne impression. Je crois que dans le football, on dirait que c'est un combat bien maîtrisé. Et ici, ça a été le cas. Un peu d'observation au début et puis petit à petit... il grandit dans le match jusqu'au moment où il prend vraiment le dessus. Une montée en puissance et au niveau du caractère, du jusqu'au boutisme, il peut servir d'exemple aussi, par exemple, dans d'autres sports aussi. Absolument, on peut constater que dans un match comme celui-ci, dans un combat, il y a aussi de l'approche, de la tactique. La tactique qui est très importante, puisque au niveau des forces d'énergie, il faut aussi maîtriser ça. Il faut maîtriser le timing, c'est maintenant pour le prochain round. Merci Anne et merci à votre invité, évidemment, Enzo Scifo. Allez, on est reparti ici, 7e round, Hermano. Imre Szello a été soigné, hein, ça ne saigne plus, il a été bien soigné il me semble. Et il faut voir si avec un coup ça peut revenir très vite. Ouais, crochet gauche en dessous, après c'est bien ça. Il bloque la droite de Szello et puis après il contre, il réagit avec un crochet gauche en dessous. En tout cas, Ryad Merhy lui a été épargné, hein, il n'a pas beaucoup souffert pour l'instant dans ce combat. Tout à fait. Si ce n'est une dépense physique normale. Attention. Pas te lancer, méfie-toi quand même. Restez concentré, c'est la clé aussi. Le corps à corps ici. Et c'est reparti. n'a pas touché avec la droite, non. Imre Szello tente de riposter, de répliquer avec ses armes. Et le regard de Ryad Merhy est toujours... Oh, l'enchaînement! Oh, l'enchaînement rapide! Oh, c'est incroyable! Oh, là, là, oh la droite là, là. Il est sonné, une nouvelle fois, il est compté. Oh, quelle droite de Ryad Merhy! Là, elle est terrible. Oh, je ne pense pas qu'il va récupérer. S'il récupère, il ne va pas tenir. Je pense que ça, là, elle était terrible. Il un peu, on dirait. Oh, il a dur. Oh là là là. La difficile. Allez, Ryad, allez, en difficulté. Accéléré. En difficulté, Imre Szello. Ryad Merhy. Oh, la droite, oh, la gauche. Et là, il est au sol. Il est fini. C'est fini. Oh là là, c'est fini. Ça va être fini. Oh là là, la droite crochet gauche, il est fini. Et il se relève. Il se relève. Il est dur. C'est fini. C'est fini. C'est fini pour Imre Szello. Il faut protéger les boxeurs, bien sûr. La bonne décision de l'arbitre espagnol. La victoire de Ryad Merhy, qui devient donc champion du monde WBA. Champion du monde, Ryad Merhy, la Belgique, un champion du monde. Il y a 30 ans, il y avait eu un championnat du monde. Je parle des fédérations majeures, c'est vrai, organisées. Il y avait eu la défaite de Jean-Marc Renard. Cette fois, il y a la victoire de Ryad Merhy ici à Charleroi. Votre réaction, Hermano? Magnifique, il a fait un excellent combat. Il a vraiment géré de A à Z depuis le début. Splendide. J'ai pas de mots, je trouve splendide. Et il inflige à Imre Szello sa première défaite en combat professionnel. Première défaite pour Imre Szello dans sa carrière pro. Une 29e victoire pour Ryad Merhy. Mais quelle est belle celle-là, et regardez la droite ici. La droite qui a fait la différence et qui met KO Imre Szello. Elle a accroché maintenant. Et là, voilà. Ça a été un combat maîtrisé de bout en bout par Ryad Merhy. Oui, totalement, totalement. Et tout le camp de Ryad Merhy qui se congratule. C'est un grand moment, une grande soirée pour toute la team Merhy, pour ce boxeur bruxellois de 26 ans qui en une année a gagné énormément en maturité avec sa défaite face à Goulamirian. Je pense qu'il a vraiment tout changé chez lui dans son entraînement, dans son entourage, dans ses réflexions. J'aime bien son travail avec Bilal Ben-Sidi. Ils sont très complices et on le sent dans leur entraînement. Et j'aime bien comme ça se passe maintenant. La poignée de main entre les deux boxeurs, mais Imre Szello doit être sous le choc aussi quand même. Hein. Pas habitué à perdre. Ben oui, oui. Et... premier combat à l'étranger et puis voilà. Hein. Ah, oui, hein. Là, c'était une vraie défaite. Un peu comme avait vécu Ryad Merhy à Marseille, face à Goulamirian. Effectivement, ça se retrouver à l'étranger, on n'a pas ses repères. Il y a la défaite au bout. Cette fois, Ryad Merhy a répondu présent. Il a cette jeunesse, hein. Il va être terrible. Hein. Maintenant, il a ce championnat du monde intérim. Peut-être qu'il va voilà, pouvoir réaffronter Goulamirian dans les prochains mois. On revoit les meilleurs moments. Et ça a été quand même un combat à sens unique. C'est vrai, c'est vrai. Il dominé de A à Z. Premier round d'observation où on était pas indécis. Ouais. On trouvait les droits assez intéressants de la part du boxeur hongrois. Mais après, c'est vrai qu'il a complètement dominé. Comme à son habitude. Ouais. Là, c'est des moments importants. C'est des moments qu'il doit savourer. Il doit en profiter de ces moments, Ryad Merhy. C'est un fameux coup de projecteur sur sa carrière, sur sa boxe. On rappelle que le combat a été aussi retransmis aux États-Unis, en Angleterre, en Hongrie, en Bulgarie et bien sûr sur RTL Sport depuis le début aux côtés de Ryad Merhy. Ça nous fait évidemment plaisir de voir ce boxeur, son travail récompensé. Bravo aussi à Imre Szello, mais c'était une soirée difficile pour lui. Mais allez, on va écouter ce qui se passe. Bien, hein. Il est en forme. Hein. Il est bien. Il est pas. Il pourrait boxer encore 10 rounds là. Elle est là, cette ceinture de la World Boxing Association, la plus ancienne des fédérations de boxe, l'une des plus mythiques. Il devient champion du monde WBA. Ça va être excellent pour lui, vraiment il va pouvoir faire monter la boxe. Et en plus c'est la personne qu'il faut pour faire monter la boxe en Belgique. Il a une belle gueule, il est humble, il est réfléchi, il est stable. C'est la personne qu'il fallait. Je suis vraiment très content. On va écouter Hermano ce qui se dit sur le ring. When our referee in charge, Sumner Sala, steps in and calls a halt to the contest, your winner by TKO and the new WBA Cruiserweight Champion of the World, Ryad Merhy. Le vainqueur, Ryad Merhy, qui enfile donc prend cette ceinture WBA. C'est le rêve de tout le monde. C'est le rêve de tout boxeur de briller au firmament des plus belles fédérations de boxe. Et ce soir, Ryad Merhy réalise en quelque sorte son rêve. Mais c'est un rêve qui continue, qui se poursuit, parce qu'il ne veut pas s'arrêter là. Je l'espère. On va le revoir ici. Les applaudissements du homme de Charleroi pour Ryad Merhy, mais aussi pour Imre Szello, le boxeur hongrois. Mais il y avait une différence incroyable entre les deux. Quand même, oui. Plus que je ne l'estimais au départ. Et Imre Szello n'est pas n'importe qui, il était 4e au niveau ranking mondial. Donc c'était un vrai adversaire, un vrai challenger pour le titre comme l'était Ryad. Mais ce soir, Ryad Merhy était tout simplement trop fort. On va écouter Ryad Merhy, justement, qui est avec Anne Ruet. Alors Ryad, tout d'abord, ça fait quoi d'être un champion du monde? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a trop d'émotions d'un coup. J'entends la tête pleine dans les étoiles, j'ai encore la tête dans le combat. Franchement... Elle représente quoi, cette ceinture? On peut parler d'un rêve, d'un aboutissement? C'est un aboutissement, c'est un peu une revanche. J'ai combattu aujourd'hui, pas que pour moi, j'ai combattu pour ma team, pour tout le monde, pour tous les gens qui étaient à Marseille, qui m'ont vu perdre, qui ont été tristes pour moi. J'ai combattu pour tout le monde aujourd'hui. Cette ceinture est pour tout le monde. Justement, par rapport à Marseille, on disait peut-être un peu de passivité. Là, directement, vous avez été à l'attaque. Et surtout le 4e round, on peut dire qu'il y a une montée en puissance. Voilà, j'ai essayé de faire le game plan qu'on avait préparé, essayer de mettre une certaine pression. On a remarqué qu'il n'assumait pas le fait de reculer. Mais bon, c'est un très bon fighter. Vous avez voulu nous remercier après pour un beau combat. Il faut deux beaux boxeurs et ce soir, il y en avait deux sur ce ring. Comme vous dites, c'est un magnifique combat, c'est deux opposants. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait un magnifique combat. Alors là, vous avez 3500 personnes, plus tous les téléspectateurs qui étaient derrière vous. Il y avait une intensité incroyable. Si vous pouviez leur dire un mot à toutes ces personnes, vous leur diriez quoi? Merci. Et aujourd'hui, c'est que le début. Parce que, comme dirait le coach, la température est différente au top. Et c'est la vérité. C'est quoi le prochain rendez-vous? La température? Oh, definitely. The temperature is always different at the top. What that means is there's different levels to boxing, right? He's on another level. There's a new contender, there's a new champion in the cruiserweight division, Ryad Merhy, right? He's a big player here, right? He's someone to deal with. Vous pouvez nous le présenter justement votre coach? Aujourd'hui, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est ça que j'appelle Bilal. On a fait un travail, ils ont été un duo formidable, ils ont partagé plein de choses. Et voilà, aujourd'hui, le travail paye. Et je pense que ce n'est que le début, quoi. Bilal, un petit mot? Franchement, je suis super ému. Il a fait un super beau combat. Le travail qu'on a accompli ici avec Hector, vraiment, c'était top. Et... La Belgique a son champion du monde officiellement. Donc aujourd'hui, félicitations à lui encore une fois. Bravo, merci beaucoup à tous. Emiliano, Hermano, on vous rend la parole tout de suite. Merci Anne. Ben voilà les mots un peu de Ryad Merhy qui a tout voulu aussi impliquer son équipe. Hein. C'est vrai, c'est la partie du personnage qu'on aime aussi. Hein. Il donne le crédit à ceux qui le méritent autour de lui. On va écouter aussi les mots pour le public. Je voulais juste vous remercier. Incroyable. J'étais là, là-bas-haut. J'ai senti une chaleur énorme. Et je crois que c'est vous tous. M'avez porté, m'avez aidé. Merci. Et je vous promets que c'est que le début du commencement. Merci à tous. À tout à l'heure au rythme. #résilience. Hashtag résilience derrière, c'est vrai que c'est important. Allez, on va retrouver Anne Ruet, vous êtes avec un homme heureux ce soir. Ah oui, tant qu'on est dans les hashtags, hashtag fierté, c'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui, vous avez vécu ça comment, vous, en termes d'émotion? J'ai eu de la peur, j'ai eu de la crainte, j'ai eu de la joie, j'ai eu des pleurs, je suis passé par tous les sentiments. La victoire m'a libéré, j'ai pleuré, j'étais dans tous mes états. Je vis un rêve et je sais que maintenant le vrai travail commence. Justement, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un avant et un après combat face à Imre Szello? Mais on a le premier champion du monde dans une des 4 fédérations majeures. C'est incroyable, incroyable. Justement, on peut rappeler à nos téléspectateurs, ce sont des mois d'entraînement aussi. Rien n'est du hasard, il nous a présenté ses entraîneurs, mais qu'ils sont importants, que l'encadrement est nécessaire pour arriver justement à un titre d'un championnat. On n'a rien laissé au hasard, on a fait une petite équipe efficace. Ils sont devenus amis, soudés, et on n'a laissé personne venir perturber notre travail cette fois-ci. Alors c'est quoi la prochaine étape justement? Parce que nous, je vous avoue qu'on en redemande de l'intensité comme ça. Je pars lundi à Cancun, je vais à la convention de la WBC. Je vais essayer de voir si on peut pas faire déjà une réunification, pourquoi pas. Et sinon, je serai à Zengyu en début novembre pour faire reconnaître Ryad comme le seul et unique champion du monde de la catégorie. Et voilà, on va essayer d'aller plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Je vais juste nous répéter, Ryad Merhy est ce soir champion. Il est champion du monde régnant. Il n'y a pas de champion autre que lui. Le champion est in recess. On a un champion qui fait champion intérim et c'est le seul champion dans la catégorie régnant. Voilà. Vous savez, c'était juste pour le plaisir parce que ça fait plaisir d'entendre un champion du monde. On a un champion du monde. Merci Alain, merci Ryad. Emiliano Hermano, on vous laisse pour le mot de la fin aussi de cette émission. Merci Anne, merci beaucoup. Petite conclusion, Hermano, sur ce que vous avez vu, entendu. J'ai été très surpris par l'ambiance du public. J'avais jamais connu ça en Belgique, moi personnellement, j'avais pas vu ça. Ça m'a j'ai très bien apprécié ça. J'ai adoré le comportement du boxeur de Ryad Merhy. C'était bien préparé. Voilà, je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux pour lui. Et pour la boxe belge. Et pour la boxe belge, bien évidemment. Parce qu'il y a voilà, une locomotive qui est là et qui va focalisé sur lui mais aussi sur les autres. En parlant de la boxe belge justement, alors je peux donner un petit mot. La semaine prochaine, il y a Francesco Patera qui boxe en Italie, son championnat d'Europe, il défend son titre. Il y a Ivan Gambou qui boxe en Angleterre pour défendre son titre. Donc on a 2 champions d'Europe actuels qui sont très bons, qui méritent aussi une belle notoriété. Et ils boxent la semaine prochaine à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a du talent sur les rings belges. Tout à fait, et on est vraiment très gâtés. Pour un petit pays, par la taille. On est bien sûr. Merci Hermano d'avoir été avec nous. Anne Ruet, on va évidemment vous laisser conclure cette belle soirée sur Club RTL. Ah oui, qu'elle était belle cette soirée, qu'on est fiers d'avoir un représentant comme Ryad Merhy. Et c'est l'occasion aussi de vous remercier Emiliano et Hermano parce qu'on rappelle qu'on a pris l'antenne des 18h30 sur RTL Play. La boxe était à l'honneur ce soir ici au Dôme de Charleroi. Et juste avant, ça va continuer parce qu'on vous offre un combat bonus. Ici, il y a quand même quelques personnes qui sont en train de quitter la salle, mais non, la boxe n'est pas encore finie. On vous donne rendez-vous tout de suite sur RTL Play. Et puis à nos téléspectateurs qui sont sur Club RTL, eh bien on vous souhaite une très bonne nuit. On vous dit au revoir et dès mardi pour la reprise de la Ligue des Champions. Et puis dès le lendemain, Genk face à Liverpool. À tous les téléspectateurs de Club RTL, donc on se revoit mardi. Et puis RTL Play, la boxe continue avec le prochain combat. Voilà, merci Anne. Et si vous êtes sur RTL Play, vous êtes toujours avec nous. Vous voyez quand même que le ring est encore bien rempli. Ben restez avec nous, il y aura, si vous êtes un mordu de boxe et que vous êtes toujours sur RTL Play, restez et dans quelques instants il y aura un dernier petit combat en 4 rounds. Par El Daraji face à Mario Bozzani, un Hongrois. A tout de suite sur RTL Play.